Je vous dis chapeau et vraiment hommage. Je l'ai connu quand j'étais déjà au collège, à Djibou. Ensuite, il a été mon professeur de basket pendant 4 ans à l'INEP de Porto-Novo. Ça a été vraiment une surprise pour moi de le voir encore en activité, malgré son âge, et aussi passionné et aussi déterminé avec les jeunes. Quel exemple pour les enseignants d'éducation physique. Monsieur Tonon Pierre, vraiment chapeau et mes respects. L'inépuisable Pierre Thonon déborde encore d'énergie sur les parquets et en dehors. Les années passent, mais son amour et sa passion pour le basket restent inébranlables. Il continue de former et de détecter de jeunes talentueux basketteurs. Ma motivation, c'est de permettre aux jeunes entraîneurs d'être bien formés. C'est toute ma motivation est là. Je ne cherche plus à gérer un match avec toutes les tensions, mais je suis prêt à continuer la formation des jeunes entraîneurs. C'est tout, c'est pas autre motivation. Hein. Je l'ai commencé, ça fait longtemps. Et je continuerai tant que je pourrai. Ancien commissaire technique FIBA, entraîneur FIBA niveau 2, figure de pro de la formation béninoise, il ne cesse de contribuer à sortir le basket béninois des sentiers battus.